Arthur, Juju, je vous présente Marine. C'est ma nouvelle copine. Mes enfants voulaient vraiment que je me trouve une nouvelle copine. Et le destin m'a permis de rencontrer Marine. Une nana déjantée, drôle et physiquement attirante. J'étais sûr qu'ils allaient l'adorer. C'est vrai, on l'adorait. Bah, qu'est-ce que tu fous là, Julie ? Quoi, t'as cru que t'avais le monopole de la voix off ? Allez, dégage, laisse-moi le micro. Je disais donc, c'est vrai, on l'adorait. Elle était sympa, elle nous faisait marrer, bla bla bla. Mais ça, c'était avant qu'on découvre son côté obscur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu m'as appelé ? Chut ! Je voulais discret, mon coco. Qu'est-ce que t'es en train de faire ? En fait, je suis en train d'écouter. Là, elle est au téléphone et elle vient de dire que... Ok, super, incroyable. Non mais, regarde, je te dis. Elle est en train de parler de papa. Mais oui, t'inquiète pas, bébé. Ce tocard de Florent est love de chez love. Je suis sûre que si je le demande en mariage, il acceptera. Et comme prévu, je demanderai le divorce pour lui piquer la moitié de son fric. Pour nous, bébé. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est une mytho, en fait. Non, pire qu'une mytho. Une michto. Elle veut de la moula. Bordel, t'as 10 ans. Comment tu connais le mot moula ? Quoi ? T'aurais préféré que je te dise cette personne malveillante complote autour du portefeuille de notre paternel. Quoi ? J'ai rien compris. Bah voilà, je me mets à ton niveau, mon petit pote. En tout cas, elle, là. On va lui montrer c'est qui les boss, ici. Attends, je crois que les gamins m'ont entendu. Merde, sérieux ? Non, non, mais t'inquiète, je gère la situation. Et toi, Marine ? Tu fais quoi, là, Julie ? Pourquoi tu caresses ta peluche comme si c'était un vrai animal ? Parce que j'ai déjà vu ça dans un film, que je trouve ça stylé, et qu'en vrai, bah, je suis allergique au chat. Assieds-toi, on t'a dit, ma grande. Et toi, Arthur, qu'est-ce que tu fais avec une brosse à chiottes ? Parce que je trouve pas ma batte de baseball. En tout cas, je suis étonnée que finalement tu connaisses cet objet, hein, parce que je suis passée une paire de fois après toi aux toilettes et... Eh oh, change pas de sujet ! Ouais, enfin, elle a un peu raison, là. Non, mais tu vois pas qu'elle essaie de nous diviser, là ? Ouais, t'as raison, pardon. En fait, on t'a entendu. Ouais, quoi ? Vous m'avez entendu parler avec mon vrai mec ? Non, avec ton vrai mec ! Bah, c'est ce qu'elle vient de dire. Ah ouais ? Oh, je pensais qu'elle essaierait de mentir un minimum, moi. Vous croyez vraiment que j'allais essayer de cacher ça à deux débiles comme vous ? Quoi ? Deux débiles ? Non mais tu te crois où, là ? Ouais, tu vas voir. On va tout raconter à notre père. Non mais allez-y, hein. Il est fou de moi, hein. Il vous croira jamais. Ouais, je crois que tu sais pas à qui tu t'attaques, ma vieille. Ah ouais, tu vas faire quoi ? Tu vas me gratter le dos avec ta brosse à chatte ? Vous voulez la guerre ? Pas de soucis, mais préparez-vous à la perdre. Ouais, c'est ce qu'on va voir, ma grande. Non mais attendez, je vous comprends pas là. Avant, ça vous plaisait pas que je sois célibataire. Vous m'aviez obligé à m'inscrire sur Tinder et tout. Et là, je vous présente quelqu'un de bien. Et bah non, vous continuez à râler. Vous êtes jamais content en fait. Non mais t'as pas compris, papa. Elle a un autre copain. Ah ouais, un autre copain. Et vous l'avez vu ? Non, en fait, on l'a pas vu, mais on l'a entendu. Au téléphone. Au téléphone ? Ah bah, je vous avais une sacrée imagination, hein. Mais non, mais je te jure, c'est vrai. Elle a... Non, allez, c'est bon, fin de la discussion. Non mais j'en reviens pas, papa, il ne croit même pas. Je sais ce qu'on doit faire. En fait, faut pas qu'on lui demande de changer d'avis, ça marchera pas, ça. Non, on va tout faire pour qu'il ait lui-même envie de la larguer. Ah ouais, pas bête. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'ai une idée, ouais. Je vais aller planquer un truc comme ça dans sa chambre, déjà utilisé, pour lui faire croire qu'elle le trompe. C'est quoi, ça ? Comment t'expliquer ? En fait, c'est un truc qui m'aurait permis de pas être obligé de te garder tous les mercredis après-midi. Quoi ? Je comprends pas. Bah, écris cette phrase et relis-la dans 4-5 ans, ouais. Florent ? Arthur veut te montrer un truc, je crois. Non, t'inquiète pas, bébé. Ma femme est beaucoup trop naïve pour découvrir que je la trompe. Bon, allez, je te laisse, j'arrive chez moi, là. Coucou, chérie. C'est quoi dans ta capuche, là ? Quoi ? Mais c'est pas à moi, ça. Ah ouais, donc les capotes, elles tombent du ciel, maintenant. Qu'est-ce qu'il fout là, mon ordi ? Attends, mais c'est quoi ce bordel ? Oh, bah qu'est-ce qu'il y a, Arthur ? Tes mains sont collées sur l'ordi. Oh, c'est vraiment pas de chance. Quoi ? Collées ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Bon, tu voulais faire quoi avec la capote ? Laisse-moi deviner. Tu voulais la planquer dans la chambre de ton père pour qu'il découvre que je l'ai trompée ? N'importe quoi, c'était à usage personnel, voilà. Mais quel mytho, sérieux ? Tu voulais me tendre un piège et ça a pas marché. Bah tu vois, moi je vais te montrer comment réussir. Oh mais tu fais quoi là ? Eh hop ! Eh mais ça va pas ou quoi ? Je vais chercher Florent, je vais lui dire que tu veux lui poser des questions. Oh non, 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 non. Ah, ouf ! Oh là, il s'appelait belle ! Ah, cool ! Ouais Arthur, qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, c'est pas du tout ce que tu crois. Attends, t'es sérieux ? Tu te paluches devant Bob l'éponge, mec ? Ah, j'aurais été moins choqué de te voir devant un film de boule ! Non, mais c'est parce que mes mains sont collées sur l'ordi ! Oui, bah oui, faut la nettoyer quand t'as fini !
Ah, c'est dégueulasse. Faut que je te fasse quoi manger ce soir? Non, pour une fois, c'est moi qui cuisine. Je vais te faire mon plat préféré. Ok, pourquoi pas. Putain, elle veut se faire bien voir, celle-là. Attends, j'ai une idée. Viens, on rajoute des trucs dégueulasses dans l'assiette de papa. Ah ouais, genre histoire de le dégoûter. Pas bête. Ouais, elle arrêtera de se prendre pour Cyril Lignac, celle-là. Alors, tu l'es bien périmé. Bah, hop, 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 pas plus que le bord. Un oignon. Et ça, je les ai trouvés dans le jardin et je crois que c'est des crottes de chat. Attends, attends, j'ai une idée. Tu fais quoi, là? En fait, je reviens du sport, j'ai transpiré comme un porc. Mais attends, c'est ça l'odeur que je sens depuis tout à l'heure? Oh, oh la vache, oui! Je croyais que c'était le lait périmé, moi. Et de la transpiration bien croquante. Bon, au début du repas, faut que tu fasses diversion pour qu'il te regarde, ok? Ouais, ok. Mais il faut que ça ait l'air naturel, hein. T'inquiète, compte sur moi. Ah, je suis en train de tomber, regardez. Ah, je fais mal. Ah là là, je viens de me blesser, c'est une douleur immense. Tu fais quoi, Arthur? Non, rien, en fait, je m'entraîne pour un casting, pour jouer dans un film. Dans un film? C'est pour jouer le rôle de Neymar ou quoi? Oui, oui, exactement. Attends, tu sais qui c'est, Neymar, toi? Non, je sais pas qui c'est, mais je suis quand même d'accord avec toi. Bah écoutez, bon appétit, hein. Eh, mais c'est super bon, en fait. Merci. Oh, j'ai plus de place, mais j'avoue que j'ai adoré. Hein. Bah et vous alors? Ouais, désolé, j'ai pas faim, j'ai pris un énorme goûter tout à l'heure. Ouais, pareil, ouais, un énorme goûter. Du coup, je vais me faire un doggy bag. Ok, d'accord. Attends, je vais t'aider. Mais c'est dégueulasse, bordel. Son plat, il a un goût de bombe à chiottes. Grave, mais pourquoi lui, il a réussi à manger la sienne? Ah, mais ce qu'on a mis, c'est lui a sauvé son assiette. Ah bon? Mais ouais, c'est carrément bon, ouais. Attends, ma transpi, elle te dégoûte pas? Quand on a la dalle, y'a plus de règles, frérot. Et si j'ouvrais un resto, moi? Faudrait juste que je fasse quelques pompes avant chaque service, et ça serait gagné. Je viens de voir d'histoire géo, mais j'avoue que je comprends pas tout. Tu veux bien m'aider, Marine, s'il te plaît? Quoi? Bah, je peux t'aider, moi, si tu veux. Non, je préférerais que ce soit Marine, ouais. Ça nous permettrait de passer un peu plus de temps ensemble. Sauf si t'as pas envie, Marine. Mais si, si, avec plaisir, Juju. Merci beaucoup. Bla bla bla. Bon, c'est quoi ton plan? Faire exprès d'avoir zéro à ton devoir pour lui faire croire que je suis débile, c'est ça? Bingo! T'es pas si bête que ça finalement. Quoi? 4 sur 20? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Juju? Ouais bah... T'as écrit le président français, c'est McDonald Trump. Bah moi aussi je pensais que c'était Manu Macron, mais Marine elle disait que je me trompais, donc elle a insisté pour que je mette ça. Heureusement que j'ai pas mis tout ce qu'elle m'a dit de mettre, hein. Sinon j'aurais pas eu 4, j'aurais eu moins 7. Ah bon? T'es sûr, Juju? Bon, c'est quoi ton plan? Faire exprès d'avoir zéro à ton devoir pour lui faire croire que je suis débile, c'est ça? Bingo! T'es pas si bête que ça, finalement. Quoi? Attends, t'es sérieuse, là? T'as vraiment fait ça? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Putain, j'en reviens pas. Elle nous enregistre, maintenant. Ouais, en plus, j'ai eu la pire note de ma classe. J'ai mis ma carrière en jeu et ça a foiré. Ta carrière? Sérieux? Faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Faut qu'on frappe un grand coup. C'est-à-dire? Oh, je sais. On va faire croire que Marine prend de la drogue. Quoi? De la drogue? Mais tu veux faire ça comment? Bah en achetant de la drogue, hein. La question est vite répondue. Non mais ça va pas, t'es taré ou quoi? Bah quoi, papa il avait fait ça avec notre voisin. Et franchement ça avait super bien marché, hein. Non mais attends, on a jamais su comment il avait fait, hein. Ça se trouve il a pris des risques de ouf. Oui, oui, oui. Non, nous on va juste finir en taule si on fait ça, Juju. Tu me promets que tu vas pas le faire, hein. Ouais, non, t'inquiète, t'inquiète. Non mais je pense qu'on peut tout pas faire notre truc. Bonjour madame. Bonjour. Alors, je voudrais du Doliprane. D'accord, oui. Du sirop pour la toux. Très bien. Et de l'Estasie. Pardon? Ah bon? Vous vendez de l'Estasie? Oh, bah moi aussi, je veux bien essayer. Non mais madame, on n'en vend pas, c'est illégal. Pourtant, vous voyez, il y a de la demande, hein. Vous pourriez vous faire un max de blé. Mais bon, je veux pas vous apprendre le marketing. Non mais en vrai, c'est une blague tout ça ou pas? Parce que j'ai une tête à faire des blagues, moi, peut-être. Ok, pas d'Estasie. Est-ce que vous avez de l'héroïne? De quoi? Bah, de l'héroïne, hein. Ah, de l'héroïne! Ok, si vous le dites, Bernard Pivot. Qui t'envoie chercher tout ça, ma petite? Eh ben, c'est pour un devoir de chimie à l'école. Ouais, et si je ramène pas, je vais avoir zéro. Vous voudriez pas avoir mon zéro sur la conscience, quand même. Bon, attends-moi là, je reviens, d'accord? Ah bah voilà, c'est pas trop tôt, hein. Oh, bien joué, excuse-moi de voir le chimie. J'ai une petite là-bas, elle veut acheter de la drogue. Elle fait quoi? Elle a une ordonnance? Non mais, pas de la drogue légale, elle veut de l'héroïne et de l'extasie.
Ma petite, tu vas rester avec nous, hein, et puis des gens vont venir t'aider, d'accord? C'est vrai? Vous faites venir des dealers? Non mais la police, madame, voyons. Ah, la police. Ah, mais si vous en vendez de l'Estasy, regardez à côté de vous. Quoi? La petite boîte bleue, là. Mais non, ça c'est du... Non mais vous faites quoi, là? Mais elle est débile. Madame, vous portez avec du smecta, là. Je t'entends pas, ma grande. Je suis en train de doubler. Et chez une botte. L'alcool est dangereux pour votre santé. Hé, on peut essayer de faire croire qu'elle est alcoolique. Ouais, mais tu veux faire ça comment? On va vider les bouteilles de papa. Mais ouais, pas bête, ouais. Allez hop, au boulot. Bon, oh, allez, pour la France, pour la patrie. Ah, pour toi, papa. Oh, pour toi, Mbappé. Mais tu fais quoi, là? Bah, à ton avis, je vide la bouteille de vodka, hein. Mais non, mais on les vide dans les toilettes. Ah ouais, pas con. Heureusement que je t'ai pas dit qu'on allait vider de l'eau de Javel, hein. Hasta la vista! Allez, madame, encore un petit effort, on est en train de fermer, là. Vous me rattraperez jamais! Ça y est, il est rentré. Bon, je vais le voir pour lui en parler, ok? Je viens avec toi. Ah non, 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 mais tu restes là, toi, hein. T'inquiète, je gère. Mais non, mais tu pues l'alcool à trois bornes. Tu vas tout faire foirer. Ok, mon capitaine. Papa, faut que je t'avoue un truc. Quoi? T'as eu un deuxième 4 sur 20, c'est ça? Mais non! Mais je crois que Marine, elle est alcoolique, si tu vois ce que je veux dire. Non mais n'exagère pas, Juju. Hein, on boit un verre de temps en temps, mais rien de foufou. T'es sûr? Mais je la vois tout le temps boire des verres quand t'es pas là. Et apparemment, elle t'en parle pas. Ah la vache, oui, mais c'est quoi ce bordel? Bah oui, c'est ce que je te disais. Hop, 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 hop. Papa, faut que je t'avoue un truc. C'est une alcoolo, l'autre sabré. Elle picole comme un trou. Et je l'ai déjà vu avec mes yeux, en plus. Il est bête. Tu fais quoi, sérieux? Retourne dans la chambre! Pop, pop, t'as pas d'ordre à me donner, toi. C'est moi le grand frère ici. Arthur, me dis pas que t'es bourré, là. Non, j'ai jamais bu de vodka aujourd'hui, hein. T'as pas intérêt à mentir. T'as picolé, oui ou non? Non, mais oh, tu me prends pour qui? Moi, je... Oh, bordel, non! Bon, ok, peut-être un petit peu. Mais faut pas en parler à papa, d'accord? Oh merde, c'est toi, papa! Mais qu'est-ce qui vous prend, là, sérieux? Depuis deux semaines, vous faites n'importe quoi! Mais on la déteste, voilà, c'est tout. Largue-la, cette morue, elle veut taper dans notre portefeuille. Ouais, papa, on te laisse plus le choix. Tu dois choisir entre elle et nous. Mais c'est horrible, ce que vous me demandez, là. Tu choisis quoi, alors? Ta famille ou une michto? Bon, bah... Mamie va venir vous chercher, hein? Je reviens pas, tu choisis même pas ta famille! Ouais, bah, vous aviez qu'à pas me demander, hein. Donc vous allez chez mamie et vous reviendrez quand vous serez moins chiant, voilà. Et toi, là, je vais la prévenir qu'elle doit planquer son alcool. Allez, salut. Non, mais regarde-là, celle-là, là-haut. Ça veut dire quoi, ce que tu fais, là? C'est la racine carrée de ça. Ah, d'accord. Tiens, toi, tiens. Hop là. Allez, santé. Marine, je suis fou de toi. Ouais, je sais, merci. Juste merci. Non, non, mais je voulais dire moi aussi. J'ai une surprise pour toi. Mais genre une méga surprise, hein. Vas-y, pose ton verre et ferme les yeux, bébé. Ok. Donne-moi ta main. J'ai compris. Marine, est-ce que tu veux... Ah oui, 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 je le veux. Non, mais arrête, gâche pas tout. Laisse-moi te poser entièrement la question. D'accord, d'accord, mais je te dis tout de suite, je vais répondre oui. Marine, est-ce que tu veux... Oui, je le veux. Finir en tôle comme une grosse merde. Quoi? Non. Bonjour, madame. Police. Surprise. Non, mais attendez, pourquoi vous m'arrêtez? C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, par où commencer? En fait, mes enfants m'ont dit que t'avais un autre mec et que ton but, c'était de me piquer la moitié de mon fric. Je t'avoue que sur le moment, je les ai pas crus parce que bon, qui croirait de couillons comme eux? En tout cas, dans le doute, j'ai quand même installé des caméras dans la maison. Et je m'attendais absolument pas à voir tout ce que j'ai vu. Quoi? Sérieux? En gros, tous les jours pendant que moi j'étais au boulot, toi tu faisais venir des gens ici pour leur vendre de la drogue? Tranquille? Car oui, messieurs, ce que je viens de sortir de son sac, c'est de la cocaïne. Plus connue sous le nom de coke, de C, de blanche, de sniff-moi s'il te plaît! Bon monsieur, on le sait, merci, c'est bon. Et du coup, j'ai fait des recherches sur toi. Effectivement, mes enfants avaient raison, t'as un autre mec. Notre ancien voisin qui est actuellement en tôle grâce à moi. Non, franchement, vous êtes vraiment donné du mal tous les deux, mais... J'ai toujours un coup d'avance. Et c'est quoi ça, monsieur? Vous êtes en train de vous masturber devant Bob l'éponge, là, non? Non, non, pas du tout. C'est bizarre, je l'avais supprimé, ça. Bon, allez, on y va, nous. Allez, hop.
Non mais attendez monsieur, est-ce que vous pouvez juste me redonner le disque dur parce qu'il faut que je supprime 2-3 trucs. Non c'est bon monsieur, on a plus le temps là, on a déjà assez poireauté avec votre mise en scène à 2 balles là. 2 balles? Alors déjà non, la bouteille de mousseux est à 7€ chez Lidl. D'ailleurs je vais la terminer avant de partir. Chérie. Alors ça a marché? Tu l'as détruit ce salaud? Non, il a tout découvert, que j'étais ta copine, que j'avais pris ton business, il nous a grillé. Ah l'enfoiré. Quoi? Elle est en taule, sérieux? Non mais moi ce qui me choque, c'est que c'est la meuf de notre ancien voisin, quoi. Ouais, pourquoi tu nous as rien dit, papa? On aurait pu faire équipe. Non, si je vous avais prévenu trop tôt, j'aurais jamais réussi à récolter des preuves pour la piéger. Sûr. Et pourquoi? Parce que vous savez pas mentir. Et ça fait combien de temps qu'elle est en prison? Ça fait à peine 2 semaines. 2 semaines? Mais pourquoi tu nous fais rentrer seulement maintenant de chez mamie? Oui, bah, hey, oh, j'ai le droit de prendre des vacances quand même, hein. Nanana, très drôle. En tout cas, je vois que t'as eu le temps d'apprendre à cuisiner, hein. Pour une fois qu'elles sont bonnes, tes lasagnes. Ah bah enfin, hey, je l'attendais ce compliment pour vous le montrer. Et de la transpiration bien croquante. Non. Bon appétit. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est mytho en fait. Mytho. Mais dis-moi. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. J'en ai marre. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est mytho. Eh ben non, vous continuez à râler. Vous êtes jamais content en fait. Attends, arrêtez de rire. Non, mais t'as pas de part en dessous, genre j'ai réussi mon coup. Non mais tu fais quoi là? Oh mais ça va pas ou quoi? Attends, excuse-moi. Non mais pas de la drogue légale. Elle veut de l'héroïne et de l'extasie. C'est ça. Ah, de l'héroïne. Tu le dis mal. De l'héroïne. Hey, tu t'es cru où là? Pourquoi tu craches par terre? C'est lui, vas-y. Non mais... Mais c'est lui qui rigole. Arthur. Me dis pas. Allez, on y va. Attends. Action. Attends, je peux pas. Regarde là, c'est là. Attends. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Connasse. Plus connu sous le nom de Coke. CC. Schnouf. De Blanche. De Sniff-moi, s'il te plaît. J'en ai sniffé là.